Nous allons partager la parole de Dieu et je commence un thème aujourd'hui. Devenir un géant spirituel. Devenir un géant spirituel. Et je voudrais commencer ce thème aujourd'hui et on verra comment le Seigneur va nous guider pendant, n'est-ce pas, les semaines qui vont suivre. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous demandons ta présence, ta lumière, l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs pour réfléchir, comprendre et surtout saisir ta volonté pour nos cœurs. Révèle donc toi à chacun de nous maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Devenir un géant en Christ. Ce n'est pas une ambition. C'est cela que Dieu veut. Toute la Bible enseigne la croissance. On prend les exemples des arbres qui doivent croître. On prend l'exemple des animaux qui doivent croître. On prend l'exemple des hommes, des êtres humains qui doivent grandir. La Bible parle de beaucoup de choses qui font allusion à la croissance. Et donc, c'est normal que nous puissions nous poser la question, jusqu'où voulons-nous aller? Un jour, le Seigneur Jésus parle du fait que nous devons atteindre la stature. Et l'apôtre Paul y revient d'ailleurs, la stature parfaite de Christ. C'est le géant. C'est le géant. Nous devons atteindre cette stature-là. Cette stature-là. Mais le problème, c'est que quand nous ne savons pas quels ingrédients, quel équipement, quelles choses dont nous devons tenir compte pour grandir, nous allons tourner en rond. C'est comme si on manquait de boussole. C'est comme si on manquait de GPS. Et alors, en ce moment-là, on tourne en rond. On ne sait pas où l'on va. Mais quand nous sommes équipés, cela nous permet d'avancer et d'avancer toujours. Alors, le tout premier ingrédient dont nous avons besoin pour devenir des géants, je dirais même l'ingrédient central, pour devenir des géants, c'est la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, je voudrais toucher la parole de Dieu probablement d'une manière assez nouvelle, afin que nous puissions, avec la grâce de Dieu, progresser, n'est-ce pas, dans notre marche avec le Seigneur. Pour cela, je vous propose de lire un premier texte dans Psaume. Psaume chapitre 33. Le verset 6, l'Écriture. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Qu'est-ce que nous retenons? Donc, par la parole de Dieu, les cieux ont été créés. Le texte ajoute parole de sa bouche ou souffle de sa bouche. On voit qu'il y a là deux ingrédients qui ont fonctionné, que Dieu lui-même a utilisé pour créer l'univers que nous voyons là. Il s'est servi de sa parole. La parole est là pour orienter, préciser les choses qu'il veut créer. C'est la parole qui donne l'identité aux choses qu'il crée au moment où il parle. Et tandis que le souffle de sa bouche, son esprit, le Ruha, Yahweh, ou le Ruha, donc l'esprit, est là pour apporter la puissance sur la parole. Et les deux ingrédients agissent dans la création de l'univers. Si donc nous lisons la parole de Dieu et nous la stockons en nous, dans notre cœur, eh bien, toute la puissance créatrice de Dieu se retrouve dans notre cœur, se retrouve à l'œuvre dans nos vies. Sortons dehors et regardons les cieux, le soleil. Et si nous nous déplaçons un peu, nous verrons les océans et tout ce qu'on peut imaginer de très grand qui caractérise l'univers. Et là, nous allons découvrir qu'effectivement, la parole de Dieu est puissante parce que c'est elle et par elle que Dieu a créé toutes choses. Nous pouvons aller plus loin dans 1 Thessaloniciens. Que dit l'Écriture? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13. L'Écriture nous dit,
C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Voyez-vous ? Donc la parole de Dieu agit en vous qui croyez. Mais je crois que là, on nous délivre d'un piège. Quel piège ? C'est le piège de toutes les époques chrétiennes. On met toujours en cause la parole et celui qui parle, l'être humain qui parle. Mais dans ce texte, on nous dit non, c'est un piège. Vous devez écouter la parole, non pas comme la parole de l'homme, l'homme qui prêche, l'homme qui parle, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu. Ce qu'elle est véritablement. Et quand nous, on nous formait à la prédication, on précisait chaque fois, attention au piège de raconter ce que vous voulez aux hommes dans les églises. Il y a de belles choses qu'on aime raconter. Un prédicateur peut commencer à aimer raconter des histoires. Ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui compte, expliquer, répéter, réciter l'Écriture. Parce que c'est elle qui est la parole de Dieu. Afin que ceux qui écoutent ne puissent pas être là comme écoutant la parole d'un homme, mais écoutant véritablement la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 4, que dit la Bible ? Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 2. L'Écriture nous dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors là, on découvre une autre dimension, c'est que la parole peut ne pas servir de quelque chose. La parole peut servir de rien. De rien. Pourquoi ? Quand elle ne trouve pas la foi chez ceux qui entendent la parole. Souvent, on pose la question, mais qu'est-ce qui fait que les gens sont les mêmes ? Avec toutes les prédications qu'ils écoutent dans cette église, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne changent pas ? Eh bien là, nous avons la réponse. Ils écoutent la parole, mais la parole ne sert de rien dans leur vie. Pourquoi ? Parce que cette parole ne trouve pas la foi dans leur cœur. Et au verset 12, que dit l'Écriture ? Cet passage poignant. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors là, on voit la parole qui joue le rôle. Quand on voit simplement les verbes et les mots qui sont utilisés pour la décrire dans ces passages, c'est une épée. C'est une épée. Ça pénètre, ça tranche, ça coupe, ça dissèque, ça met en morceaux, ça met en pièces. La parole de Dieu nous juge. Nous pouvons nous sentir innocents à un moment ou un autre de notre vie, mais dès que nous nous mettrons à lire la parole de Dieu, nous verrons que l'épée commence à agir sur nous. Beaucoup de choses sont dévoilées, n'est-ce pas, par la parole de Dieu. Et donc, dans cette introduction, je peux déjà dire qu'il y a une attitude que nous devons avoir. Laquelle ? C'est qu'il faut qu'il y ait l'échange. Quel échange ? Quel échange ? C'est l'échange à effectuer consiste à prendre le temps que nous donnons à la télévision, prendre ce temps-là et le donner à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Prendre tout simplement, si tu veux devenir un géant, prends tout simplement le temps que tu donnes à la télévision et donne ce temps-là. Et aujourd'hui, on peut aller plus loin. Prends le temps que tu donnes à la télévision et à ton smartphone et donne ce temps-là à la parole de Dieu et tu deviendras un géant. Au fur et à mesure que le temps passe, tu deviendras certainement un géant. Alors la toute première chose que nous devons savoir par rapport à la parole de Dieu, il y en a 8, je pourrais m'arrêter quand c'est nécessaire. La première chose que nous devons noter, c'est que dans la parole de Dieu,
nous nourrissons notre foi. Nous puisons la foi. La foi, ce n'est pas simplement la notion que nous avons de la foi, mais la foi, c'est une chose qu'on tire de la parole de Dieu. Au fait, on ne peut pas avoir la foi en s'isolant de la parole de Dieu. C'est une sorte de va-et-vient, une sorte de va-et-vient entre la parole de Dieu. Je parlerai de synergie, d'un contact permanent entre la parole et nous-mêmes. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, le verset 17, que dit l'Écriture? Romains chapitre 10 et le verset 17. L'Écriture nous dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voyez ce passage. C'est un passage clé. Ainsi, la foi vient d'eux. Elle vient. La foi vient. Bien-aimé, si tu as la foi, tu peux recevoir de la part de Dieu. Si tu as la foi, tu peux recevoir de la part de Dieu. Tout ce que tu veux recevoir de lui, tu le recevras par la foi. Car la foi vient de la parole de Dieu. Et si tu as cette foi-là, tu peux recevoir de la part de Dieu. Il y a un homme de Dieu, John Bunyan. John Bunyan a dit que le problème de la foi dans la vie chrétienne, c'est une vallée de désespoir, un bourbier de désespoir. En d'autres termes, si tu n'as pas une grande consommation de la parole, tu n'auras pas la foi. Et si tu n'as pas la foi, c'est vraiment un bourbier. Au fait, tu ne peux rien espérer, tu ne peux rien recevoir, tu ne peux pas progresser. Quand la foi t'échappe, quand tu passes à côté de la foi, tu ne peux rien recevoir. Quelles que soient tes expériences, quel que soit le temps que tu as passé dans l'église, quel que soit tout ce que tu peux être, ton éducation, mais si tu n'as pas la foi, eh bien, tu es dans un désespoir total. Alors, comment vient cette foi-là? La foi vient en entendant la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu, c'est ça la clé. Notez, entendre la parole de Dieu. Vous voyez que entendre et lire, c'est différent. Entendre. Entendre la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut entendre la parole de Dieu? Eh bien, en la lisant, notez, à haute voix. En la lisant à haute voix. En la déclarant à haute voix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle sort par notre bouche, elle entre dans les oreilles, elle sort par la bouche, elle entre dans les oreilles, elle sort par la bouche, elle entre dans les oreilles, elle sort par la bouche, elle entre dans les oreilles, elle fait ce tourbillon entre notre bouche et nos oreilles. Entendre, tu dois entendre la parole. Ce qui fait que lorsque tu entends la parole, comme maintenant que tu es en train d'entendre la parole, ça joue un rôle particulier dans ta vie. J'ai fait la psychopéda aux humanités secondaires. Et là-dedans, parmi les cours que nous avons étudiés, c'était la psychologie. Et en psychologie, il y a un chapitre entier consacré à la mémoire. Et dans ce chapitre-là, nous avons appris qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs sortes de mémoire, plusieurs éléments, activités intellectuelles qui participent au développement de la mémoire. Et l'un des éléments de base qui aide la mémoire à progresser, c'est le fait de l'audition. Entendre. Entendre. Quand tu entends ce que tu répètes par la bouche et tu répètes dans l'oreille, et parfois tu ajoutes le mécanique, c'est-à-dire tu l'écris,
Tu entends, tu le répètes, tu le déclares. Ça entre par, par l'oreille et puis tu le répètes en écrivant. Eh bien, ça fonctionne, ça fait fonctionner la mémoire jusqu'à ce que ça remplisse, n'est-ce pas, tout notre être. Et ça, on le trouve dans la parole de Dieu. Comme par exemple dans Actes, nous n'allons pas lire ça, vous connaissez le texte probablement. Actes chapitre 8, verset 30, la Bible dit que Philippe a vu un eunuque éthiopien qui est en train de voyager et qui est en train de lire Ésaïe à haute voix, c'est-à-dire le livre du prophète Ésaïe. Lisez à haute voix, lisez à haute voix. Et il a couru et il lui a posé la question, pour qu'il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? C'est qu'il le lisait à haute voix, ça c'est clair. Il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ça montre qu'il lisait, n'est-ce pas, à haute voix. Il est en train de lire à haute voix. Et qu'est-ce qu'on découvre? Au fait, au temps du Nouveau Testament, c'est-à-dire dans l'histoire où le Nouveau Testament était écrit, eh bien, la parole de Dieu du Nouveau Testament se lisait à haute voix. Et plus tu entends ce que tu lis, plus la foi vient. C'est ce que Dieu dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et maintenant, le temps consistera à prendre le plus de temps possible à revenir sur la parole de Dieu. C'est la première chose que nous notons. La foi vient de la parole en l'écoutant, n'est-ce pas, en l'entendant, en la répétant, en la faisant passer en boucle dans notre esprit pour que nous soyons chargés de la parole de Dieu. Et la deuxième chose que nous notons, c'est que la parole de Dieu apporte la nouvelle naissance. La parole de Dieu apporte la nouvelle naissance. C'est pourquoi ceux qui reçoivent Jésus et qui lisent beaucoup l'Écriture, eh bien, trouvent une grande richesse dans la parole de Dieu et croissent rapidement. Quand nous lisons dans Jacques, chapitre 1, que dit l'Écriture? Jacques, chapitre 1, le verset 18, l'Écriture nous dit, il nous a engendrés, vous voyez, le verbe est utilisé, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Il nous a engendrés. Dieu nous a engendrés. C'est Dieu qui nous engendre. Alors, ce qui fait que lorsqu'on utilise les expressions comme père spirituel ou mère spirituelle, ça veut tout simplement dire que c'était un témoin qui était là pour nous faciliter la tâche au moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Mais en réalité, ce ne sont pas les hommes qui nous font naître de nouveau. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. Dieu nous a engendrés, n'est-ce pas? Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les meilleurs, les prémices, les meilleurs de toute sa créature. En d'autres termes, quand tu es né de nouveau, tu deviens le meilleur de tout ce que Dieu a créé. Tu es meilleur que l'or, tu es meilleur que l'argent, tu es meilleur que les rois, tu es meilleur que les princes, tu es meilleur que les athlètes, tu es meilleur que n'importe qui d'autre. Parce que la Bible dit que quand tu es engendré en Christ par sa parole, tu deviens, n'est-ce pas, prémisse de toute sa création. De toute sa création. Je pouvais même aller jusqu'aux anges, mais je ne vais pas vous embêter. En réalité, c'est vrai. Nous pouvons aller jusque là. Et quand nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, que dit l'Écriture? Dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22, l'Écriture nous dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel et sincère. » Ayant purifié, alors vous voyez, là encore, on voit que la parole de Dieu a joué le rôle de purification de nos âmes. Et alors, de quoi nous devenons capables? En obéissant à la vérité. Alors, notez ici qu'il y a deux dimensions de l'obéissance. La première dimension de l'obéissance, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire pour naître de nouveau. Et la deuxième obéissance, bien entendu, c'est les ainsi dit
et ainsi de suite, que tu commenceras à mettre en pratique selon les instructions, selon les recommandations pratiques que cette parole formule à notre endroit en tant qu'enfant de Dieu. Donc il y a ces deux dimensions. La première obéissance, c'est d'obéir à l'évangile. C'est-à-dire accepter que tu es pécheur, mais que tu viens pour être engendré par Dieu, afin que tu deviennes enfant de Dieu. Maintenant, une fois devenu enfant de Dieu, la suite, comme nous allons d'ailleurs le voir dans les points qui vont suivre, eh bien, tu commences à progresser. Et une des choses qui caractérise ceux qui sont nés de nouveau, c'est l'amour sincère, les uns les autres. Un amour sincère. Au fait, ils deviennent, c'est pourquoi l'apôtre Paul utilisera même l'expression du corps de Christ, où on est membres les uns les autres. Où on est membres les uns les autres. C'est-à-dire que, c'est une famille, au fait. C'est une famille. Quand on est né de nouveau, c'est pourquoi partout où tu iras dans le monde, si tu ne vas pas en mettant ta lampe sous le boisseau, mais si tu vas vraiment en disant que tu es enfant de Dieu, hein, tu es vraiment enfant de Dieu, tu n'as rien à cacher, tu es enfant de Dieu. Une fois, le Seigneur m'a... Parce que Dieu peut aussi te mettre dans des situations où tu es obligé de déclarer que tu es enfant de Dieu. Et moi, je me suis retrouvé dans une telle situation. Un avion était en train d'être bousculé par le vent. Je me rendais pour aller prêcher à Dallas. Et alors, dans les airs, la situation était catastrophique. Et au point qu'on a été obligé de fermer l'aéroport. Et donc, les pilotes devraient faire demi-tour. Et le pilote a dit, les temps sont très mauvais. Nous sommes en danger. C'est la première fois que j'ai entendu dans un avion un pilote qui dit ça. Et effectivement, on voyait qu'on perdait l'altitude, on remontait, on perdait. Tu regardes dans les houlots, dans les petites fenêtres, là, tu ne vois rien. Donc, c'était un temps impossible. On a dû dévier le vol vers une autre ville. Parce que c'était totalement impossible d'atterrir à Dallas. Alors, à un moment donné, ça a perdu, le niveau s'est descendu très fort, comme si on allait s'écraser. On est descendu, waouh, j'ai crié, Seigneur Jésus! Tout l'avion m'a entendu. Seigneur Jésus! Et tout le monde s'est retourné. Pour voir qui a crié Seigneur Jésus. Déjà, la langue que j'ai utilisée. Je n'ai pas dit Lord Jesus. Non, 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 j'ai dit Seigneur Jésus. Alors, ils se sont retournés. Et mon voisin a lâché la bombe. Are you a Christian? Es-tu chrétien? Je lui ai dit, I am only that. Je ne suis que ça. Je ne suis que ça. Ah, good. Puis, Nous avons continué. La troisième chose que nous trouvons de la parole de Dieu, c'est que c'est une nourriture spirituelle. Mes frères et sœurs, vous savez, s'éloigner de la Bible, c'est s'éloigner de la nourriture. Gêner, on peut gêner. Mais quand on gêne toute la vie, vous comprenez que c'est mortel. C'est mortel. Donc, on ne peut pas s'éloigner de la parole de Dieu. C'est la nourriture spirituelle. Rien d'autre n'est nourriture spirituelle. Rien d'autre. C'est la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle. À chaque niveau de la croissance spirituelle, il y a une parole de Dieu pour notre croissance. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 nous parle du lait spirituel. Quand on est encore bébé, quand on est au début de la foi chrétienne, on est au début de sa vie chrétienne, on a besoin du lait. Dans la tentation de Jésus au désert, là on parle du pain. Change ces pierres en pain. Et Jésus lui-même parle du pain de la parole de Dieu. Eh bien, là, n'est-ce pas, c'est la nourriture commune, la plus régulière. Vous savez que la Bible, il y a des enseignements qui sont les plus régulières. On appelle cela, dans le milieu de l'enseignement théologique, on appelle cela le principe de grâce. Principe de grâce. Ce sont des principes de grâce. Donc, ce sont des principes qui touchent la pratique, l'agir, l'existentiel chrétien. Tout ce dont tu as besoin au quotidien, c'est ça, le pain de la parole de Dieu. Mais ça va plus loin. Quand nous lisons, par exemple, dans Hébreux, chapitre 5, qu'est-ce que nous trouvons là-bas? Dans Hébreux,
au chapitre 5, eh bien, au verset 12, là nous trouvons, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, notez, verset 14, est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Le discernement. Le discernement, ça constitue, n'est-ce pas, ceux qui ont grandi. Ils savent discerner. Dans les choses qui se passent, qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Les gens qui ont grandi spirituellement, tu ne peux pas les mener par le bout de leur nez. Ils ne suivent jamais les mouvements. Ils n'agissent jamais comme agissent les autres. Ils agissent, ils trouvent en Dieu et en Dieu seul les recommandations qu'ils doivent mettre en pratique. C'est comme ça qu'ils marchent. Ce sont les hommes faits, solides. Et ils consomment la nourriture solide. Quatrième chose que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est l'illumination mentale. Ça éclaire notre mental. Quand nous lisons dans Psaume 119, que dit l'Écriture là-bas? Psaume 119. Le Psaume 119, le verset 30. Donc, psaume 119, vous savez, parfois, voilà. Le verset 30 nous dit, ce n'est pas le verset 30, c'est le verset 130. Voilà. Je crois que nous arrivons là-bas tout doucement. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Vous voyez ce que dit la parole de Dieu? D'abord, elle est claire. C'est comme une lumière qu'on ajoute à la lumière. Là où on ne voit pas clair, quand tu mets la parole de Dieu, ça devient plus clair encore. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça donne l'intelligence, notez, même au simple. Les simples sont les gens qui comprennent très difficilement. Au fait, quand tout le monde, quand on demande, est-ce que vous avez compris? Tout le monde dit oui, sauf un. Le simple, lui ne comprend pas, elle ne comprend pas. Mais, curieusement, quand cette personne commence à consommer la parole, l'intelligence vient. Et plus tard, toujours dans ce chapitre 119, David ira jusqu'à dire que je suis plus sage que mes maîtres. Je suis plus sage que mes maîtres. En d'autres termes, ceux qui t'enseignent, tu peux les dépasser selon que tu plonges dans la parole de Dieu. Notre frère Zacharias Tanefomoum, qui se repose au ciel, disait chaque fois, il y a les dirigeants de l'Église connus, mais il y a aussi les dirigeants de l'Église non connus. Les dirigeants de l'Église connus, c'est ceux à qui on a donné des titres. Ne courez pas après ça, je vous dis la vérité. Et il disait chaque fois, les vrais dirigeants de l'Église, c'est ceux qui se présentent devant Dieu, de la part de cette Église-là. Ils se présentent devant Dieu. Tout simplement à cause de l'attachement qu'ils ont à la parole de Dieu et la manière dont ils réagissent par une vie de prière, ces hommes-là se présentent devant Dieu pour l'Église. Ce sont de véritables avocats de l'œuvre de Dieu, des conseillers de Dieu de la part de cette Église. La parole est claire, la parole donne de l'intelligence, même au simple. Cinquième, notez, la parole donne la guérison physique. La parole donne la guérison physique. Psaume 107, que dit l'Écriture? Psaume chapitre 107,
à partir du verset 17. Nous irons jusqu'à 20. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Notez le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc on voit, n'est-ce pas, il y a des moments où des hommes, parfois même des croyants, se laissent vaincre par le mal. Alors à ce moment-là, ils sont dans un tourbillon du mal. Ils produisent l'iniquité. Ils produisent des abominations. Et alors, par un sursaut, n'est-ce pas, de conscience, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé la parole pour apporter, n'est-ce pas, la guérison dans leur vie. Donc la parole sauve du péché, guérit de la maladie et même délivre du démon. Sauve du péché, guérit de maladie et délivre du démon. Quand nous allons dans Proverbes, au chapitre 4, que dit l'Écriture? Proverbes, chapitre 4, à partir du verset 20. L'Écriture nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » C'est la santé pour tout leur corps. La santé pour tout leur corps. La santé pour tout leur corps. Vous savez, toutes ces paroles sont compliquées pour les philosophes. Vous savez, les philosophes, tous ceux qui ont une grande éducation, c'est pourquoi j'ai toujours conseillé ceux qui ont fait l'université, soyez très prudents. Faites-vous enfants quand vous approchez la parole de Dieu. Sinon, vous resterez géant, mais coquille vide. Donc, pourquoi? C'est à cause de la philosophie. Hein? C'est à cause de la philosophie. Vous savez que cette Europe a été baignée, par le discours de la méthode, hein, de Descartes. Hein? Donc, leur tradition, c'est la raison pour laquelle le christianisme n'a pas fait long feu dans cette Europe. Et pourtant, c'est le berceau de l'évangile. Hein? Ce n'est pas le Moyen-Orient. Jésus est né là-bas, mais les grands savants de l'Écriture étaient européens. Hein? Tous les pères de l'Église, Irénée de Lyon. Hein? Irénée de Lyon. Savonarole de Florence. Il n'y a que Origène et Tertullien qui étaient du Maghreb. Donc, l'évangile est vraiment né dans ce monde. Les réformateurs, hein, Zwingli, Bucer, hein, et tous les autres, Jean Calvin, Martin Luther, ils sont tous des Européens. Hein. Mais regardez la vie chrétienne européenne. Hein. Même quand, dans leur philosophie, ils continuent à dire que même dans leur sang, il y a les évangiles, ils disent n'importe quoi. Il n'y a pas la nouvelle naissance. Il n'y a pas la nouvelle naissance, il n'y a pas la compréhension de l'évangile tel qu'il se doit. Pourquoi? Parce que la philosophie, bien aimée, a l'art de rendre compliqué ce qui est simple. Quand tu entres en philosophie, même ce qui est simple devient très compliqué. C'est pourquoi il faut accueillir l'évangile dans la simplicité. Dans la simplicité. Dans la simplicité. Il y a un homme de Dieu, quand il avait lu le passage qui montre que la foi vient de la parole de Dieu, que la parole de Dieu est une nourriture, c'est du pain, eh bien, il a carrément décidé de façon radicale de faire des repas bibliques. 3 fois par jour.
S'il doit prendre le petit déjeuner à 8h, eh bien 7h30, il est déjà, ou 7h, il est déjà devant la parole. Il mange la parole, il prend le petit déjeuner. S'il doit manger à midi, eh bien 11h, il est déjà devant la parole. Il mange la parole, à midi, il mange la nourriture. Le soir, au souper, la même chose, un souper biblique, avant le souper physique. Ceux qui veulent devenir des géants savent ce qu'ils doivent faire, mes frères et sœurs. Si tu veux devenir géant, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des eunuques parce qu'ils sont simplement téméraires. Mais la vérité, les vrais hommes de Dieu, au fur et à mesure que vous allez grandir, vous allez découvrir la différence entre ceux qui font du bruit au nom de Jésus et ceux qui sont véritablement efficaces en Christ, des géants. Et vous pouvez les devenir quand vous avez l'équipement. Et je le crois vraiment que l'équipement est là. L'équipement est là. 6. Victoire sur le péché et sur Satan. Nous avons lu le psaume 119. Au verset 9, la Bible dit, comment un jeune homme peut-il purifier son sentier? Comment un jeune homme peut purifier son sentier? Vous savez, vous pouvez purifier votre sentier. Eh bien, c'est en s'accrochant à la parole de l'Éternel. Psaume 119, 9 à 11. Surtout nous qui venons de cultures où il y a toujours quelque chose à nettoyer, toujours quelque chose à réviser. La culture africaine, c'est une culture bourrée d'impuretés. C'est comme un minerai d'or qui n'est pas passé à la fonderie, qui n'a pas été purifié. C'est vraiment de l'or brut. C'est ça la culture africaine. Il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Le respect des aînés, tout ça. Il y a beaucoup de bonnes choses. Mais très vite, on commence à vous mélanger des choses. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ah, son mari est parti au ciel. Alors voici ce qu'elle doit faire. Alors quand on viendra te dire, dans notre tradition, voici ce que tu dois faire. J'ai prié pour les délivrances, uniquement liées au décès. Une dame, son mari est parti au ciel et on lui a prescrit un membre de la famille. Il y a toujours quelqu'un qui prend l'autorité comme ça. Et il ne te dira jamais qu'il a délégué. Il vient, bon, maintenant que ton mari vient de mourir, si tu veux que la vie se passe bien pour toi, maintenant qu'il est parti, eh bien, je vais m'arranger pour aller couper un morceau du drap avec lequel il est couvert. Et comme ça, tu vas attacher ça, et ainsi de suite, quelque part dans ton corps, pendant autant de temps. Elle a attaché ça. Sauf que, dès ce moment-là, toutes les nuits, son mari était dans la chambre. Elle croyait que c'était une bénédiction, alors que c'était un démon. La porte était ouverte, le démon est venu. Et alors, les choses ont commencé à s'empirer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle se rend compte qu'elle ne peut porter que des habits noirs. Et pendant des années, Des habits noirs. Et quand elle tombe devant des serviteurs de Dieu, on lui pose la question, mais tiens, on te voit toujours un peu des habits. Oui, c'est depuis cette époque-là. Quand on prie, eh bien, le mari est là. Le mari est mort, mais il est toujours là, représenté par un démon. Ce n'est pas le mari là qui était mort. Non, un démon qui a pris son nom. Le mari, lui, est parti là où il doit être. C'est comme ça que les choses se passent, malheureusement. D'où la nécessité d'être attaché à la parole de Dieu. Dans Éphésiens 5, l'Écriture nous dit quoi? Éphésiens, chapitre 5. Dans Éphésiens, donc, chapitre 5, le verset 25, l'Écriture nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc vous voyez, il y a la purification qui vient de la parole de Dieu. Pendant que j'étais en train de faire mes recherches, je suis tombé sur une déclaration d'experts. Donc vous savez qu'il y a des moments où certains experts s'expriment. Et comme c'est un texte qui traite du couple, eh bien, des experts se sont exprimés en disant que, et ça c'est
Ce sont des choses, malheureusement, que nous n'avons pas dans la culture africaine, parce que la culture africaine est allée dans la direction de la tradition, mais n'a pas pris la direction de la psychologie. Ce qui fait qu'en psychologie chrétienne, les Africains sont très, très loin en arrière. Alors que beaucoup de milieux chrétiens évangéliques, surtout des États-Unis, sont très hauts. Ce qui fait qu'ils savent exactement ce qui doit être fait dans plusieurs circonstances, parce que tout cela a été étudié par des enquêtes. Eh bien, un élément sur lequel je suis tombé, une femme qui est infidèle à son mari réduit l'espérance de vie de son mari. En d'autres termes, ils ont constaté qu'à partir du moment où la femme est devenue infidèle, eh bien, la vie du mari n'a pas atteint 10 ans. Il est mort. On ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ce sont là des éléments qui sont dévoilés dans le monde sur la base de l'expérience. Les gens vivent des expériences et ils font des découvertes, n'est-ce pas? Des choses qui sont cachées autrefois, mais qui sont finalement dévoilées, qui sont révélées. La Bible dit Satan entra en Juda. Ce n'est que la parole. Quand le diable entre dans une vie, ce n'est que la parole qui peut l'expulser, le faire sortir. Septième vérité. Alors, je crois qu'on va arriver à 8. Je vais faire court pour ne pas y revenir la fois prochaine. Septième vérité, sanctifie et nettoie. La parole de Dieu sanctifie et nettoie. Dans Jean 1, 29, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et on peut aller plus loin. Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, le verset 29, l'Écriture. « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et vous savez que Jésus, dans la Bible, est aussi appelé parole de Dieu. Donc, ça joue pour ôter le péché. Ça enlève le péché. Quand il y a un péché qui résiste dans ta vie, le moyen le plus efficace, ce n'est pas seulement de dire « Ah Seigneur, pardonne-moi ». Non, non, plonge dans l'Écriture. Et l'Écriture, à un moment donné, se met à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer, à laver, à laver, à laver, jusqu'à ce que tu sois totalement libéré. Enfin, c'est un miroir spirituel. La parole de Dieu est un miroir spirituel. La parole de Dieu est un miroir spirituel. Dans Jacques chapitre 1, que dit l'Écriture? Dans Jacques chapitre 1, le verset 23 est suivant. L'Écriture dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Bien-aimé, vous savez, de tels passages ne doivent pas être passés comme ça. Il faut mettre le signe, mettre les indices, afin que vous puissiez comprendre et revenir, et revenir, et revenir. Remarquez, par exemple, dans ces passages, qu'est-ce qui est dit, hein? Un, la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce que nous entendons, nous mettons tout simplement en pratique. Hein? Tout à l'heure, nous avons donné, par exemple, l'exemple de cet homme de Dieu qui a décidé de faire de la parole des repas quotidiens. Mettez ça en pratique. Mettez ça en pratique. Méditez la parole. Hein? Quand on veut devenir géant, ça, on ne peut pas, il ne suffit pas de devenir des... Vous savez qu'à une époque donnée, quand le charismatisme a commencé, donc le mouvement charismatique a commencé à entrer en Afrique, eh bien, plusieurs chapitres étaient ouverts, entre autres, les chapitres de l'onction. Et il y a vraiment des gens qui pensaient qu'un grand homme de Dieu vient,
Récemment, je vous ai parlé d'un homme à qui j'avais dit, je ne le dis pas toujours aux gens, mais à qui j'avais dit, toi ne deviens pas pasteur. Dieu m'a dit que tu ne dois pas devenir pasteur. Et jusqu'à ce moment, vous vous souvenez, c'est seulement sa femme et ses trois enfants qui étaient membres de son église. Et bien, cet homme-là, ce que je n'avais pas dit, c'est qu'il était allé dans une grande réunion de serviteurs de Dieu. Et un grand homme de Dieu qui dirigeait cette réunion-là l'a appelé. Il lui dit, toi viens. Et puis il a posé la main sur lui. Il a prié pour lui. Et il a commencé à lui dire ce qu'il va devenir. Tu seras ceci, tu seras cela, tu seras ceci, tu seras cela. Et il est parti sous cette mouvance-là qu'il s'est lancé à faire tout ce qu'il avait fait. Mais au fait, notez ceci, c'est très important. Vous savez, Dieu parle rarement par des inconnus. Dieu parle de toi à ceux qui te connaissent. Parce que ceux qui te connaissent, ils savent qui tu es. Ils ont l'expérience de la vie avec toi, mais aussi l'expérience spirituelle. Vous savez que il y avait, quand nous étions à Scarbec, à une époque donnée, il y avait parfois des frères, à cette époque-là, nous avons estimé que c'était bon parfois de donner l'exemple, surtout quand l'œuvre tentait de prendre de l'envol, donner l'exemple en donnant quelques punitions à certains. Et alors, à cette époque-là, certains étaient en punition. Ils ne pouvaient plus exercer le ministère parce qu'il y avait ça, ça, ça et ça. Eh bien, quand les serviteurs extérieurs venaient, eux ne savent pas ce qui se passe dans l'église. Et donc, ce qui fait qu'ils pouvaient dire, toi, viens, quelqu'un qui est vraiment sous discipline, viens. Et puis, tu es prophète, tu es ceci, tu es cela. Alors, quand tu prends ça comme parole de l'évangile, c'est pourquoi on prescrivait parfois à ces gens-là, quand on fait appel, toi, n'avance pas. N'avance pas. Si tu veux avancer, viens me voir pour en discuter. Pourquoi? Parce que les gens extérieurs ne savent pas qui nous sommes. La parole, bien-aimée, joue le rôle de miroir. Hein? Miroir. On nous dit que la parole de Dieu, quand tu regardes dedans, elle te montre qui tu es. Elle te montre qui tu es. Mais il faut, une fois que tu as fini de regarder, que tu améliores la situation, que tu mettes en pratique. S'il y a un chapeau du pondou dans leurs dents, tu enlèves. Si tu as des événements nocturnes qui se sont échappés au travers des jointures, tu enlèves dans les miroirs. À ma connaissance, sauf si nous étions très pressés, presque chacun de nous est passé devant un miroir aujourd'hui. Mais combien sont passés devant le miroir de la parole de Dieu? Et c'est là où se trouve la grande importance. Donc si tu veux devenir un géant, mon frère, ma sœur, le commencement c'est la parole de Dieu. C'est par là qu'il faut commencer. Les autres choses vont suivre, mais c'est par là qu'il faut commencer. Et c'est le fondement. Et je peux même ajouter que de tous les autres principes qui suivront pour devenir un géant, eh bien, la parole de Dieu sera omniprésente. Elle sera toujours là. Ça sera ça plus la parole. Ça plus la parole. Même s'il y a 20 chapitres, c'est chaque chapitre, premier chapitre, plus la parole. Deuxième chapitre, plus la parole. Donc la parole doit couvrir tout. Parce que, pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous voici à la fin d'une méditation de ta parole. Elle apporte la vie à nos cœurs. Tu t'en es servi de mille manières comme nous venons de l'étudier. Merci pour tous les devoirs que nous recevons de ta parole sur la parole de Dieu. Maintenant, ma prière, Seigneur, aujourd'hui, pour chacun de nous, pour moi-même, pour mon frère, pour ma sœur, c'est que vraiment, nous puissions prendre ta parole au mot, comme étant ta parole,
Et de deux, que nous puissions vraiment lui donner le temps. Que l'amusement, le jeu, la récréation ne continuent pas à gouverner nos jours, les heures de nos journées. Mais que vraiment ta parole soit consommée en permanence chez tes fils et tes filles. Afin que, comme nous l'avons entendu, nous devenions les prémices d'entre ta création. Maître du ciel et de la terre, nous accueillons ton éducation comme une grâce, comme un soutien, comme une bénédiction, comme une richesse irremplaçable. Père, je te prie pour que chacun de nous tous ici présents, nous devenions des géants. Des géants parce que le temps de la fin sera difficile. Nous ne pouvons plus jongler autour du lait et espérer pouvoir aider les gens. Les bébés naissent de personne. Les bébés s'occupent de, ne pensent qu'à eux et attendent tout des autres. C'est pourquoi, Père, je te prie que vraiment tu agisses en profondeur au travers de ta parole, consommée par ton peuple avec une volonté tenace, mise en pratique par ton peuple en permanence, que nous puissions prospérer dans cette parole, que nous passions au pain, que nous allions jusqu'à la nourriture solide, afin que, affermis et fortifiés, nous soyons non seulement une richesse pour nous-mêmes et pour ceux qui nous approchent, mais aussi une richesse pour les nations. Parce que bientôt, les temps seront très difficiles et il faudra des géants pour résister aux puissances du mal. Qu'il en soit ainsi, Père, que ta parole soit aimée, que ta parole soit accueillie, que ta parole soit entretenue, que ta parole soit consommée au quotidien pour ta gloire et pour l'efficacité des vies de tes fils et de tes filles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à Dieu.